pour le programme pour CERF Maroc, nous tant qu'auto pour la Sharia, on a vécu la naissance du programme en 2002. Donc le programme et à l'initiative du roi Hassan II et du président de la France. C'était en 1999. Donc cette initiative a progressé avec les deux sociétés civiles du Maroc et la France. Et en 2002, on a fondé ensemble le programme Concerté Maroc. Donc le programme Concerté Maroc, dans sa première phase, était de 2002 à 2005. Et on a maintenant, on vient de clôturer la deuxième phase qui a commencé en 2005 jusqu'à maintenant 2010. Et prochainement, on va commencer le programme Concerté dans sa troisième phase. Pour la deuxième phase, donc on a pris comme objectif de travailler pour la jeunesse marocaine. Donc ensemble pour accompagner la jeunesse marocaine à être un acteur de développement solidaire et on a travaillé sur quatre axes. Premier axe, c'est tout ce qui est éducation, animation. Et deuxième axe, c'est l'axe de l'économie solidaire. Et le troisième axe, c'est l'accès au droit. Quatrième axe, c'est tout ce qui est insertion professionnelle. Donc, on avait des associations marocaines. Donc, la caractéristique de cette deuxième phase, c'est qu'on a travaillé en consortium, c'est-à-dire par groupe lieu d'associations. Donc, ce n'est pas une seule association qui monte le projet, mais avec son partenaire en France, mais c'est un consortium au Maroc qui monte un projet avec. Donc, le PCM a financé 11 projets, c'est-à-dire le FAP, le fonds d'appui au projet. Donc, il a financé 11 projets. Et dans ces 11 projets, on trouve des consortiums, c'est-à-dire un ensemble d'associations marocaines avec le partenaire français. Presque, j'ai donné une vision sur le PCM. Et dernièrement, c'est-à-dire ça fait une année, qu'on a commencé à préparer la troisième phase, c'est-à-dire à pérenniser le programme Concerté Maroc. Et heureusement, on est arrivé ensemble à la troisième phase qu'on va commencer prochainement. Donc, comme vous avez vu, dans ce salon-là, c'est-à-dire ce deuxième salon, donc c'est ça le fruit du travail qu'on a emmené ensemble pendant ces 4 ans. Donc le fruit est là. Donc les jeunes marocains sont créateurs, donc il faut seulement les accompagner et les appuyer pour qu'ils aillent plus loin. Le souci qu'on a eu, c'est la participation du secteur public marocain. Et maintenant, on arrive depuis le PCM1 jusqu'au PCM2. Maintenant, on est arrivé à signer des conventions en soi avec, comme vous avez vu le matin, le ministère de la Jeunesse et Sport, soit avec le ministère du Travail. Et on a eu une bonne participation auprès de l'entraide nationale. Donc l'entraide nationale nous a beaucoup amené et appuyé pendant ces 4 ans. Et on espère, ce qu'on espère, c'est la participation des jeunes. C'est que le jeune sait que sans sa participation, on ne peut pas développer notre pays. Donc il faut que le jeune participe, il faut que il participe avec c'est-à-dire une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il défend ses droits et qu'il
c'est-à-dire qu'il travaille ou bien qu'il donne sur tout ce qui est obligation, toutes ses obligations. Donc il faut, c'est-à-dire, ils ne sont pas confondus, mais ils sont compatibles. Tout ce qui est droit et tout ce qui est obligation, ils sont c'est-à-dire complémentaires. Et on va continuer, pour la troisième phase, on va continuer à travailler avec les jeunes. On va continuer à appuyer les jeunes, à accompagner les jeunes. Donc c'est ça, je vous ai donné un aperçu sur le PCM 3. Demain, on aura notre trajet pour qu'on valide, c'est-à-dire tout ce qui est rapport narratif et financier de cette deuxième phase. On va commencer, Inch'Allah.